Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. La légende prétend que le champignon perdu exauce tous les vœux de son possesseur. Il faut absolument réussir à le trouver avant l'ignoble coupin. Oh, c'est plus facile à dire qu'à faire, princesse de mon cœur. On est dans un pays que la civilisation n'a pas encore atteint. Ah oui, t'as bien raison, ça. Je vois pas une seule pizzeria. Oh non, on va avoir des ennuis, regardez ça. En tout cas, il a transpercé notre ballon, ne parlons pas. Accrochez-vous, le ballon va s'écraser. Ah, bah ben, la prochaine fois que je toucherai un ballon, ce sera seulement un ballon de football. Eh ben moi, je suis vraiment contente de me retrouver ici. On est bien mieux que sur la terre ferme. Tralala. Bravo, alors allez bien, ta terre ferme, hein. On a atterri juste dans les sables mouvants. bah oui, on va bientôt avoir des ennuis par-dessus la tête, je le croque. Ah, oh, bah ça y est. Oh bah non, oh bah qui c'est? Waouh. Et à quel nouveau héros nous avons affaire? Au plus courageux et au plus fou chercheur de trésors de toute la jungle, Indiana Jones. Vous êtes un vrai chercheur de trésors? Vous pouvez nous aider à trouver le champignon perdu? Mais c'est un jeu d'enfant. Bien. Alors, maintenant que ce point-là est réglé, au secours! Je parie qu'Indiana Jones va les conduire tout droit au champignon perdu. Il connaît l'emplacement de tous les trésors cachés dans la jungle. Et les raccourcis qui y conduisent. Mais alors, ça veut dire qu'il y a maintenant de fortes chances qu'ils arrivent à ce fameux champignon. Oh, votre horreur! Cette statue est à moi et m'a été léguée par mon arrière-arrière-grand-père. Et c'est pour ça que je ne laisserai personne me la voler. C'est hors de question! Mais alors, quels sont les ordres, colonel Van Koopa? On va tranquillement suivre ces idiots sans se faire remarquer. Et une fois qu'ils auront trouvé le champignon perdu, on ira le leur prendre! Une petite seconde, horreur sublime, ce serait du vol. Il a raison. C'est tout à fait malhonnête. Bien sûr, et alors, je ne vois pas du tout ce qui vous gêne. Vous avez l'air d'oublier ce que vous êtes, un ramassis d'affreuses canailles. Oh, oh là, bobo. Oh, ça fait bobo, ça fait très bobo, pas des bobos. Arrêtez, colonel. C'est difficile de trouver du bon personnel aujourd'hui. Et voilà le temple de Koopa. Ah, c'est le temple de Koopa. Oui, il a été bâti par l'arrière-arrière-grand-père de cette canaille. Le champignon perdu se trouve à l'intérieur. Oh, ben alors, il n'y a pas de temps à perdre, on va tout de suite chercher la statue. Une petite minute. Cet endroit est terrifiant, effrayant, au-delà de ce que vous imaginez. Alors allez-y si vous le voulez, mais je n'y entrerai pas pour tout l'or du monde. Mais je croyais que rien ne vous faisait peur. C'est vrai, je n'ai peur de rien. Malheureusement, je souffre de coupaphobie. Ah, de coupaphobie? Absolument. Dès que je vois un coupa, alors là, je me mets à trembler et je deviens jaune, citron, regardez. Oh, mais alors attendez-nous tranquillement ici. Nous, on va entrer chercher la statue et on la rapportera dans 2 minutes. On sera à 7-4, vous en faites pas. Allez, dépêchez-vous, faut trouver cette statue en vitesse, voyons. Je me demande de quoi Indiana Joe a peur. Cet endroit est tout à fait tranquille. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, je crois qu'on s'est jeté dans un piège.
géant. Sautez! Sortir d'ici maintenant. Eh ben oui. Si seulement il y avait un ascenseur, ça nous arrangerait bien ça. Regarde, le champignon perdu va peut-être exaucer ton souhait. On a réussi. On a trouvé le fameux champignon perdu avant l'immonde coupe. Merci de me le livrer. Oh bah non, alors. Vous pouvez m'insulter tant que vous voulez, mais le résultat, c'est que je vous tiens prisonnier. Laisse-nous partir, sinon ça ira mal pour toi. Non, s'il te plaît, arrête. Tu vas me faire mourir de peur. Regarde, je suis tout vert. Il n'y a qu'en entendant ta menace. Je suis tout vert. Tout vert. Tout vert. Vous allez nous faire mourir de rire si vous continuez. Mais vous, ce n'est pas de rire que vous allez mourir. Je me demande quel sort horrible il nous a réservé cette fois-ci. On va être tout de suite fixés. Regardez. Un lion sacré, il paraît qu'ils sont très très féroces. Nous autres plombiers, on n'est pas sacrés, mais on ne se laisse pas se dévorer comme ça. Luigi, passe-moi vite notre instrument de travail. Eh ben oui, le voilà. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'instrument? Je vais montrer à ce fauve que j'ai une âme de dompteur. Oh, mais il suffit de le demander. Attends, tu vas voir, là. Fais-nous sortir, toi. Maintenant, il faut trouver un moyen de vaincre le colonel von Koopa. Elle, on n'arrivera à rien, et aussi longtemps qu'il aura la statue magique du champignon perdu, il sera beaucoup trop puissant. Mais j'espère qu'Indiana Joe nous aidera. Il faut vite le trouver et le guérir de sa phobie. Il doit habiter par ici, à mon avis. Oui, je crois que tu as raison. C'est écrit, là. Mais je rêve ou quoi? Mais non. Il garde les bébés. Quoi? Non, mais Indiana Joe, là, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Quelqu'un qui souffre de coupaphobie n'est pas digne d'être un chercheur de trésors. Alors j'ai décidé de changer d'activité et de me consacrer à la garde des bébés. Mais c'est ridicule. On comptait sur votre aide contre Von Koopa, Indiana. Aïe, 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 Koopa est peut-être terrifiant, certes, mais c'est un enfant de cœur, à côté de ses petits bons. Et maintenant, fidèle soldat, on va voir de quoi est capable vraiment ce champignon perdu. Champignon magique, écoute ce que je vais te dire. Bâtis-moi tout de suite un château en or. Oh non, regardez-moi ce beau spectacle. Ça marche. On n'avait encore jamais vu un château de Nizikara. Je serais curieux de savoir si cette statue magique donnerait tout le fromage que l'on veut. Avec cette fantastique statue magique, je vais rapidement devenir le plus riche des Koopas qu'ait jamais connu ce monde.
Tu devrais savoir qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh, attends-toi. Non, je dois rêver. Mais comment est-ce qu'ils sont faits? Je ne supporte plus la vue de ces plombiers. Oh, ça alors, c'est vraiment dommage pour toi, mais tu crois qu'on supporte la tienne, peut-être, hein? C'est pas vrai, ça recommence. Il a encore pu s'échapper dans une autre dimension. Oui, mais on l'a bien battu cette fois-ci. Et je tiens à vous remercier de m'avoir enfin guéri de ma coupaphobie, voyez. Eh bien, voilà. Y a pas de quoi, on n'allait pas vous laisser garder des bébés toute votre vie, monsieur Indiana Joe. Ah, où est passé le champignon perdu? Il se trouvait encore ici il y a un instant. Champignon magique, si ce qu'on dit est vrai, je t'en prie, donne-nous des tonnes de pâtes. Oh. 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 Je pense qu'on va très bien s'entendre finalement, moi et cette statuette-là. Chez les plombiers, quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Ha! Ha! Super Mario Bros. Yodi, 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 yodi. Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques, autant que Buffy. Mais quand ils sont emportés par les eaux, c'est l'aventure. Ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros. Yo, bros!